Nous jeudi à mardi 17 juillet 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la CAO pour être capable de porter pour pratiquement deuxième sortie téléjournal pour semaine. Si là, d'ores et déjà, nous avons souhaité tout le monde passer une bonne journée mardi sous télévision nationale d'Haïti. Rapidement, nous avons barré ensemble pour faire essentiel journal pour matin pour nous faire qu'on a correction examen officiel. Nous avons poursuivre dans environ 3 semaines après. Nous avons commencé dans quel niveau est correction yoye, combien de temps qui était pour processus là arrivé dans bout li, que les résultats yo ta doué disponible. Télévision nationale a présenté nous matin un reportage dans journal là. Dans une lettre, président de la République, la Jovenel Moïse, envoyée par le président du Sénat, sénateur Joseph Lambert, hier lundi 16 juillet 2018, la chef de l'État, informé parlement officiellement, démission, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, en date 14 juillet passé, et puis fait connaître chef de l'État, nation, accepté démission, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. À l'échelle internationale, le président américain Donald Trump a refusé de condamner Moscou pour ingérence dans la dernière élection américaine. Dans une position, Donald Trump a adopté hier lundi dans un cadre de rencontre tête à tête de président a profité plutôt afficher volonté pour coopérer et puis écrire une nouvelle histoire entre Washington et Moscou. Et puis, dans le pays de la France, l'équipe française a retourné dans le pays hier lundi 16 juillet après victoire pour la Coupe du Monde 2018 là, qui était déroulée dans le pays de la Russie. Diverses activités étaient organisées pour capable recevoir vainqueur. Ensemble, pour savoir quand pilote a peur, il faut essentiel la journal pour maintenir la victoire. Il faut que vous tenez quelques secondes puis pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans l'information. Jean Kendi a annoncé les différents titres. N'a pas démarré avec information pour nous faire connaître. Dans une lettre, président de la République, la Jovenel Moïse, envoyé par le président Sénat, sénateur Joseph Lambert, à hier lundi 16 juillet 2018, la chef l'État a informé par le Haïtien officiellement démission, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, en date 14 juillet 2018 passé. Et puis faire connaître chef l'État-nation a accepté démission pour le ministre Jacques-Guy Lafontaine. Dans ce sens, le président de la République, la Jovenel Moïse, invité le président du Sénat, sénateur Joseph Lambert, dans une séance de consultation qui prévoit fête jeudi mardi 17 juillet à midi dans le Palais National. Nous avons noté pour l'être SILA pour des signatures président de la République, la Jovenel Moïse. Toujours dans l'information, le sénateur Nord-Ouest, la Kedler Augustin, encouragé président Jovenel Moïse pour chita parler avec divers secteurs dans le pays avant de choisir un premier ministre. Parlementaire a souhaité un nouveau premier ministre capable de répondre à la réalité moment. Sénateur Kedler Augustin a participé à l'émission mise au point hier matin sur télévision nationale. Je vous invite à suivre un bout de l'intervention. Mais sur le plan formel, il est l'émanation du Parlement. Nous demandons que PM l'a démissionné. Apparemment, j'ai l'impression que PM l'a pas encore une nouvelle ça. Bon, évidemment, le président n'a pas intéressé pour le Premier ministre aller. Mais cependant, nous sommes clairs sur la question par nous et nous sommes sortis ensemble avec lui de commun d'accord. Il faut qu'il démissionne. Donc, à partir de ce moment, séance qui n'a pas le fait là, bon, comme l'été qui est lancé, nous, pour nous-mêmes, il n'a pas intéressé nous parce que même si il était foncé en littérité, il était ballon motion de censure, il t'a démissionné. Quand même parce que cet accord nous l'avions eu et premier ministre lui-même lui et peut-être pas de gain volonté dans un premier temps même parce que ça le fait à lui pas vraiment comme c'est intéressé nous parce que pour nous autres au niveau du Sénat pas aucun moyen pour le traiter. Moi je crois que le président a supposé être lié au profil. Moi même si je suis capable de donner ce profil là, c'est dit un je dis à pays à problème pas c'est que moi que le président a une volonté pour le ta faire ou tout bon vrai dans le pays. Ou je n'en catégorie de monde. Ou quoi ou la fête vrai? Ah, monsieur, c'est menti la fête. Ou pas, ouais. Alors que l'exécutif là, même quoi qu'il y ait un problème de communication, l'identifie un ensemble d'obstacles qui bloquent l'initiative ça. Par exemple, route qui te compte fait à 1 km ou 1 500 000 dollars, il y a un monde qui a bloqué parce que il n'y a pas de moyen pour le faire ou comme ça. Oui, mon cher, il y a avec caravane, il prend une stratégie pour le mettre à part l'autre côté puis le faire. Mais le bloquer, il n'y a pas qu'à avancer à l'état de avancer. Au lieu de nous dire, on nous identifie qui nous a bloqué,
Parce que 101 km route nord-ouest à 1 500 000 ou bien 1 million, ou à combien de nous avons, ça veut dire route pas n'a pas jamais fait. Autrement dit, tactique ça, t'as pi bon, fait travaux publics, fait route là, et puis payer 100 000 dollars américains seulement pour mettre asphalte là. Ça veut dire 15 km route, c'est 15 fois 100 000 dollars américains. Donc, c'est 1 500 000 dollars américains seulement ça t'a coûté, alors que dans l'autre là, t'es presque dans 20 millions pour me faire. Donc, moi, je pense que, je dis à, faut que le président mette un monde qui comprenne la vision, ça. C'est pour le monde qui a parlé dans l'intérêt. Parce que il y a des gens qui ont bénéficié de gens qui ont fait là. Faut que nous bâillons le président possibilité pour choisir le gouvernement. Bah, les possibilités là, à travers un profil que nous avons bâillé là, nous sommes capables de faire véritablement. Mais ça, ce n'est pas position majorité. Ce n'est pas position Sénat ou bien Chambre des députés, c'est position PAM. Parce que. Comment est difficile de vous passer? Ouais, on a tradition que je dis. Et même si je suis capable de la majorité, m'a parlé, chaque sénateur est un sénateur. Je ne suis pas président, tout sénateur, comme si je décidé pour eux véritablement. Même si ça laisse à la difficile de vous faire contrôle là, parce que vous venez juger parti. Ouais. Mais moi-même, tu as souhaité effectivement qu'on laisse la latitude au président de la République pour lui-même être capable de choisir, mon capable premier ministre. Et que le Sénat puisse, le Parlement dans l'ensemble, puisse capable de capable de dire ça, les contrôles de l'action gouvernementale. L'autre information dans le journal la porte-parole la présidence, Martine Denis Chandler, fait qu'on a un président de la République là, a continué avec consultation de divers secteurs dans la vie nationale là, pour capable choisir avant longtemps un nouveau premier ministre. Et l'autre bord, porte-parole a souligné chef l'État a renouvelé l'engagement là, pour continuer le travail de façon pour capable améliorer les conditions de la vie population haïtienne. Martine Denis Chandler a participé à l'émission mise au point à hier lundi à sous Télévision nationale d'Haïti, on peut vite suivre un bout de l'intervention. La présidence, c'est même l'étape suivre en tant que leader responsable et présence premier ministre dans le Parlement, et bien son présence qui répond à une démarche tout à fait constitutionnelle, tu as justement une convocation par rapport à lui-même et gouvernement. Et justement, premier ministre est allé pour te répondre à convocation ça qui fait dans le cadre de loi pays noir et Jean-Saté prévoit pour te fait samedi ça. En tant que leader responsable, et bien président explique que Libral marché pressé et fait de voile pour commencer justement chercher en consultation avec tous les éléments vives nationaux, une personnalité, un monde qui est plus ou moins dans le discours et il parlait de type de profil que nous avons cherché, c'est-à-dire quelqu'un qui peut diriger un gouvernement inclusif, un gouvernement qui pourra définitivement permettre, mettre sous pied vision président de la République là et qui ses visions développement pour pays noir. Toujours dans le dossier politique, parti politique rassemblé pour sauver la caille parasol souhaité. Il y a lundi 16 juillet, président de la République, Jovenel Moïse, prend bon Jean Mézi pour le choix que vous faites pour nouveau premier ministre avec le gouvernement. Président parasol, là, Yvon Bonhomme, dit pour le pays a gagné bonne gouvernance, il faut gagner transparence sur le choix premier ministre avec le prochain gouvernement qui est à Louis Campéa. Président parasol, là, pour plus d'explications dans le micro. Comme Mildred Yamilias avec l'ordre de Jean-Jacques. Cette question pour nous mettre ministre, directeur général, administrateur pour ne pas qu'on côté au sortir, il faut que ça finisse. Pas de opacité sous identité gouvernant pour gouverner. Gouverner a fait contre qui est-ce qui gouverne. Et cette question pour nèg chita dans l'opposition, pour nèg à femme chita dans l'obligation société civile, y a mette moun comme ministre pour piller caisse l'état pour yo, y a mette administrateur yo tout côté dans l'état, directeur général tout côté pour piller l'état pour yo, alors que yo caché derrière qui est encore qui dans l'opposition contre même gouvernement ça c'est yo. Et cette fois-ci nous dit non, population en kounya fait pour qu'on ait quel que soit ministre qui est secteur d'elle. Du fait pour qu'on ait qui est secteur d'elle qui ministre, ou bien qui groupe personnalité, j'ai voulu te choisir. De qui directeur général, de qui gouverneur administrateur. Et nous-mêmes, nous là, nous avons les crayons, nous avons noté itinéraire sur chaque grand député, chaque grand ministre, chaque grand directeur général. Et nous-mêmes, comme parti politique, nous assumons responsabilité.
Nous prenons le Parlement haïtien pour nous faire connaître le sénateur département sud-est, là, Joseph Lambert, qui s'est tout président Sénat. Vous jeter déclaration au sénateur Ricard Pierre qui t'a accusé sur un dossier détournement l'argent. Parlementaire qui t'a expliqué, fait connaître ses conférences président en date 5 mars passé, qui t'a décidé faut que président Sénat gagne une résidence officielle, même Jacques, président République, là, et puis premier ministre pays. Joseph Lambert dit que dans ce sens, le bureau a décidé de prendre un fonds dans le budget Sénat qui est évalué à plus de 7 millions de gourdes pour enfermer Kaye pour le président Sénat République. Nous avons vite suivi un extrait de Miko Kolo, Eliezer et Moïse Ulbrich qui est sous place. J'ai entendu le sénateur Ricard Pierre. Il m'a dit ça, il m'a dit lui, non seulement un sénateur, m'a dit le tout à tout l'autre monde pour me dire autant que président sénat, autant que sénateur, autant collègues ça qui là comme sénateur le attaquer à l'institution sénatoriale là, institution sénatoriale là à répliquer en règle. Et comme je l'ai dit au sénateur Ricard Pierre qui pour moi même t'es très certainement en panne de yon réplique en règle. Il parlait de 8 millions de gourdes que le président du Sénat détournait pour le capable louer Kaili pour le rété. La conférence des présidents du lundi 5 mars 2018. Nous avons gagné les sénateurs suivants qui étaient présents. Sénateur Denis Cadeau, Onon Dieu-Louis, Naou Marcellus, Calmira Cantab, Jean-Renel Sénatius, Ronald Larèche, Dieudonne Numa, Richard Foucan, Jacques Sauveur-Jean, Yuri La Tortue, Gracia Delva, Jean-Hugo Bélizer, Ralph Etier, Kedley Augustin, Sorel Jacinthe et votre serviteur Joseph Lazare. Gagné le sénateur Cantab, qui était avancé au point. Il était parlé de une année de prérogatives pour tout ancien président. Le chef de l'État à 5, le PM et les ministres en 5 et 2. Pourquoi pour un président du Sénat et président de l'Assemblée nationale après mandat président fini? Il était parlé tout de résidence officielle pour le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnage de la République. Et ma plus pour vous, la République paie une résidence pour le chef de l'État, pour le premier ministre, même pour le chef de la police, pourquoi pas pour le deuxième personnage de la République? Question de prestige. La conférence des présidents, à l'unanimité, agrée et instruit le bureau pour les suites nécessaires. Le sénateur Cantav insiste pour que le cortège du président de l'Assemblée nationale comporte avant-garde et arrière-garde et soit précédé de deux motos montées par des policiers en uniforme. Le président Lambert exprime des réserves vu les critiques émises sur l'emploi abusif des sirènes et des longs cortèges pour les officiels. Et sous bazar, conférence des présidents mandat à administration Sénat, priorité louer, cherche un caille et louer une résidence officielle pour président Sénat et pas pour Joseph Lambert. Et c'est ainsi que nous avons entrepris des démarches et nous avons pu trouver une maison, un immeuble. Et immeuble ça, nous louons pour l'exercice 2017-2018 là, pour un montant de 7 280 000 gourdes pour la période. Et nous avons le propriétaire qui a signé, le testeur qui a signé, le président Lambert qui a approuvé et la Cour des comptes qui a approuvé. Mais des mesures administratives seront prises le plus rapidement que possible pour que tous les biens, généralement quelconques du Sénat, dans quel que soit même monde que vous avez, que vous n'avez pas de même, et bien puis retourner au Sénat dans les prochaines 24 heures.
N'a pas toujours été ensemble avec le président de la République là pour nous faire connaître. Le sénateur Joseph Nambéa dit retiré dans le budget pour l'exercice 2018-2019. La rubrique qui a connu l'argent poisson. Yon l'autre bois, sénateur Lambert dit mesure gouvernement prend pour retourner sur augmentation prix gaz pour avoir une grosse conséquence sur le pays. Parlementaire a dit qu'il y a un pile projet qui a commencé cap campé, il y a divers autres projets qui ont commencé cap bloqué. N'a pas vite suivre l'intervention sénateur Joseph Lambert. Sénat République, là, c'est une institution que dit. Dit que nous gagnons 3 millions, 4 millions de gouttes et autres, etc. Il y a un corps qui fait un pile critique et que nous-mêmes, dans le budget, nous que nous retirer dans la présentation du budget, nous avons ça. Eh bien, c'est l'argent que nous avons l'argent poisson. Nous retirer ça. Et dans notre budget de cette année, nous avons aussi enlevé, écarté la bagatelle de quelques 800 millions de gouttes pour que nous gagnions un budget qui réduit à la baisse et qu'il y ait moins de largesse et qu'il y ait beaucoup plus de moyens qui pour répondre à besoin Sénat de façon très spécifique. On croit que c'est plus gros bagaille que nous sommes capables de faire pour la nation. Et si tout le monde est capable de viser le budget ou à la baisse, dans un moment où, après que vous n'avez pas fait ajustement et que vous faites rétracter sous lit, pas attendre que la vie soit plus belle qu'avant. Parce que c'est 18 milliards de gouttes qui perdus, qui ne peuvent pas rentrer dans la caisse d'État. Et c'est en même temps quelques 300-400 millions de dollars appui budgétaire qu'on n'a pas besoin de. Ça veut dire que attendons-nous, après une mesure comme ça, mais boîte va te serrer tout. Après une mesure comme ça, il y a des projets qui ont commencé qui ont obligé de fonds camper. Après une mesure comme ça, et après une mesure comme ça, et gagner en pile bagaille auquel que nous allons faire face. Il faut que nous connaissions que nous avons une période, nous allons vivre une période qui dure, une période qui est difficile. Si il y a des gens qui peuvent dire, parce que je ne veux dire tout le monde a fait populisme, ils ont perdu tout ça que vous pensez peuple a tant de mal. Moi, je dis, autant que je suis sénateur, tout comme l'homme des députés, même l'homme simple citoyen, il faut me garder tout le monde en jeu pour me dire vérité à gagner. Mesure la rétractée. Attendons-nous tous à des jours extrêmement difficiles et compliqués. Dossier éducation, lundi 16 juillet, fait environ 3 semaines depuis processus correction fait examen au baccalauréat et 9e année fondamentale a commencé. Dans quel niveau correction y a pour nous, combien de temps qui était pour processus arriver dans Boutli, quel résultat y a disponible. C'est quelques questions que j'ai eu avec Laure Dali Jean-Jacques après permettre nos jeunes réponses dans le reportage. Ça, on suit ça. Tout fait examen 9e année fondamentale avec Filoyo, t'as dû finir corriger semaine ça. Ces déclarations, directeur départemental de l'Ouest, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Louis-Fritz Dormainville. Louis-Fritz Dormainville, qui t'a venu fournir Gégadé, qui j'en processus correction et a déroulé dans le lycée jeune fille, il y a 2 centres qui dans le département de l'Ouest là, fait connaître ces mouvements 6, 7 à 8 juillet 2018 là, qui cause yo pas guettant fini à correction yo. 9e année, nous avons un jury déjà terminé, et nous avons mathématiques et sciences expérimentales terminées, sciences sociales l'a terminé demain matin, créole l'a terminé. Je crois que c'est français qui a prêté pour le finir là, c'est maintenant pour la 9e année. Mais toute évaluation faite au plus tard, jeudi matin ici, hein, jury qui loge ici a fini. Et donc processus là, et c'est ça nous fait là ensemble, président jury, les coordonnateurs, les encadreurs qui très avancés. Donc n'a pas avancé pour nous en termes de date ministre de bail, éventuellement pour la publication des résultats. Mais ça ministre lui-même prend une décision à ce que la semaine du 23 et que ces résultats soient disponibles. Selon lui, Fritz Dormainville, 60% copie candidat a corrigé dans le département de l'Ouest là. Directeur départemental de l'Ouest, ministère éducation nationale et formation professionnelle l'a fait connaître. Il a fait tout ça qui est possible pour respecter les délais ministères amendés. Il y a une façon pour tout le monde de résultat avant longtemps.
Merci avec collaborateur Jean-Henri Bicasséus qui t'a présenté nos reportages. C'est là l'autre information dans le journal là. Dans une interview liée accordée avec Télévision Nationale d'Haïti hier lundi 16 juillet 2018 là, directeur général Fonds Assistance Économique et Sociale la FAES Châtelier Charles Ernest expliquer diverses pertes matérielles institutions enregistrées après protestation week-end 7 à 6 juillet passé. D'après le directeur, il y a 6 camions et 6 cantines mobiles qui pillaient et boulaient pendant le mouvement. Le directeur a expliqué que le président de la République a déjà pris l'instruction pour prendre toute disposition pour continuer à la population à manger. Là, pour apporter plus d'explications, le micro lui est l'agent lui avec Hervé Pierre. Comme nous connaissons, semaine 6 avec 7 juillet, le pays a été connaît de gros bouleversements la dernière. Et les programmes sociaux n'ont pas exempt. Ils n'ont pas exempt avec bouleversement ça. Nous avons gagné camions qui nous ont utilisé pour nous transporter des kits alimentaires qui font partie du programme. Et panier solidarité, qui c'est une composante dans trois dans le programme Courir Peuple là. Nous avons utilisé des camions pour nous transporter kit alimentaire pour la population. Voilà que les camions qui étaient dans le PNCS, nous avons perdu là-dedans 5. Ils ont vandalisé et puis ils ont mis du feu là-dedans, ils ont boulé dans le PNCS. Et puis toujours dans la même composante ça. Nous avons gagné un camion que nous avons utilisé pour nous faire cantine mobile, pour nous bailler le peuple à manger. Selon Jean-Président Jovenel, a prôné tout le temps, manger dans l'assiette tout le monde. Malheureusement, le camion Sayo, qui était dans le PNCS, le peuple a vandalisé et a boulé. Le président Jovenel, en volonté, pour les populations qui viennent manger, les papes quitter le programme de campé. Ils ont déjà une instruction pour nous faire entrer d'autres cantines mobiles que nous gagnons dans des villes de province. Par exemple, côté dans la ville de province, nous gagnons deux. Côté gain deux, nous avons quitté Yon, nous avons entré avec Yon. Donc quand même, nous n'avons pas quitté l'Ouest. Sans cantine mobile, donc n'a pas obligé quand même gagnon qu'a rentré pour nous réparer, pour nous faire une entrée dans l'ouest pour nous continuer la population à manger. Sous initiative député circonscription l'asile là, le man premier qui est sénateur Niplan Fresnel Denius à autorité locale, première édition Festianana organisée 14 juillet pas samedi 14 juillet passé à la première section communale dans ville si là. Objectif activité ça, c'était faire promotion pour production ananas, espèce ça qui paraît rassemblée d'après député circonscription le man premier qui était dans le micro Télévision Nationale d'Haïti n'a pas invité à suivre. L'asile, c'était une commune, et c'est toujours une commune qui produit ananas à profusion, en grande quantité. Il produit en grande quantité ni avant la commune, et après elle vient la commune, toujours à produire et ananas en quantité. Mais il faut que je dise, zone qui produit ananas dans l'asile, ou bien communauté, l'asile qui produit ananas, donc c'est vrai. Et en pile, moun l'autre côté consomme li, yo parle de li, mais pas de jamais gagner une grosse initiative qui prend pour permettre que la culture soit valorisée dans la communauté asiloise là, mais pas de jamais gagner une initiative tout déjà qui te prend pour permettre que les producteurs, l'asile, rive joindre une grosse visibilité, un gros avancement par rapport à potentiel ça gagne là-dedans. Et c'est ça que fait dans l'idée ça. Non, ouais, son gros nécessité pour nous permettre que eh ben entité ça qui se produit ananas eh ben li joigne en place dans valorisation production nationale. Donc l'idée a brassé, donc nous venons avec l'idée, nous chita avec communauté yo et forme de ça gagne moins qu'un mois depuis nous chita avec autorité locale yo, kazek yo, magistrat dans zone là, notable dans zone là, producteurs, yo, tout cadre dans la communauté, quelle que soit tendance, quel que soit secteur d'appartenance, eh bien pour nous, ouais, si nous sommes capables
au moins mener une initiative ça chita dans la koukouraï et permettre que eh ben gagner on l'idée qui bougeonnait autour d'un thème. Donc finalement après toute rencontre, toute parole en pile, après toute discussion, communauté a autorité locale yo, nous-mêmes nous rivé chita sous date 14 a pour nous faire festi anana dans l'asile. N'a pas Jean-Bénin dossier énergie pour nous faire connaître responsable électricité d'Haïti a informé population les portés ont démenti les démenti plutôt information qui a circulé sur les réseaux sociaux qui t'a fait connaître EDH pral chargé au plus à cause du gouvernement baisser prix gaz là. Direction générale EDH là dit déplorer agissement ça qui capable la cause déstabilisation à craser briser en dans société a pendant la mandé population pour toujours été en contact avec Line numéro ça yo 28 13 05 17 à 28 13 01 79 et puis sur site internet li www.udh.ht. Direction générale EDH là fait un appel tête posé à compréhension à quelle population hein, et puis exhorter li pour méfier de information ça yo qui pas vérifié d'après note qui pote signati bureau communication EDH. Nous déjà arrivé dans le moment pour nous aller dans l'actualité internationale. L'argent qui nous a annoncé le nom de le président américain Donald Trump refusé condamner Moscou pour ingérence dans la dernière élection américaine. Une position Donald Trump adoptée ailleurs lundi 16 juillet. On a pas vite suivre plus avec Euronews. C'est un Donald Trump conciliant à l'égard de Vladimir Poutine qui est apparu à Helsinki en Finlande ce lundi. Lors de ce premier sommet bilatéral entre les deux chefs d'État, Donald Trump a refusé de condamner Moscou pour l'ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Il est évident que nos relations bilatérales traversent une période difficile. Mais ces difficultés et cette atmosphère tendue n'ont pas de raison objective. La guerre froide est terminée. L'époque de la confrontation idéologique entre nos deux pays est révolue depuis longtemps. La situation mondiale a radicalement changé. Je tiens les deux pays responsables. Je pense que les États-Unis ont agi bêtement. Je pense que nous avons tous fait preuve de stupidité. Nous aurions dû avoir cette discussion il y a longtemps, bien avant que je n'arrive au pouvoir. Et je pense que nous sommes tous à blâmer. Je pense que les États-Unis ont maintenant fait un pas en avant, tout comme la Russie. On est réunis ensemble et nous avons l'opportunité de faire de grandes choses. Donald Trump a une nouvelle fois désavoué le travail du procureur spécial Robert Mueller qui, il y a 4 jours, a inculpé 12 membres du renseignement russe accusés d'ingérence dans la campagne présidentielle. J'ai une grande confiance dans mes services de renseignement, mais je peux vous dire que le président Poutine a contesté avec force les accusations à ce sujet aujourd'hui. En plus, il a fait une offre incroyable. Il a proposé que les personnes qui travaillent sur cette affaire viennent ici pour travailler avec les enquêteurs sur le cas des 12 personnes. Cette conférence de presse a provoqué l'indignation aux États-Unis. Pour le chef de file des Républicains au Congrès, Donald Trump doit réaliser que la Russie n'est pas leur allié. Le sénateur républicain John McCain parle quant à lui de l'un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine. Équipe française a retourné dans le pays hier lundi 16 juillet après victoire en Coupe du Monde 2018 là qui était déroulée dans le pays la Russie. Plus activités étaient organisées pour capable recevoir vainqueur. On a permis de suivre ensemble avec France 24. Dernier virage et derniers instants avant la parade dont ils se souviendront toute leur vie. De retour au pays, la joie des Bleus rencontre celle des supporters. Sur la plus belle avenue du monde. Trophée, smartphone à la main, les joueurs eux aussi veulent immortaliser ce moment. La ferveur de milliers de personnes dans une atmosphère bleu-blanc-rouge aveuglante, sur terre et dans le ciel. Changement d'ambiance à l'Elysée, les costumes sont enfilés, mais pas question pour autant de brider la fête. L'hymne de 1998 et la Marseillaise font trembler les murs du palais.
après l'hymne national, les Bleus reçoivent les honneurs présidentiels. Merci d'avoir apporté cette coupe. Merci de nous avoir rendus fiers. Merci d'avoir mouillé le maillot. Merci d'avoir été unis. Ne changez pas. Cette équipe, elle est belle. Puis Paul Pogba saisit le micro façon chauffeur de salle. J'ai plus de voix mince. Mais j'ai entendu dire que on était champion du monde. C'est vrai ça? Joueurs et public reprennent les refrains populaires inventés par les supporters en l'honneur de leur chouchou. Enfin vient le temps des selfies et des autographes. Des joueurs quelque peu bousculés par l'amour qu'on leur porte, ils devront s'y faire. Cela ne fait que commencer. C'est là toujours à l'arrivée d'un bouclier pour jeudi mardi. Mais juste avant nous aller, nous rappelons ensemble quoi qui était fait essentiel. Le journal là pour matin, pour une fois qu'on a correction examen officiel, il va poursuivre environ 3 semaines après avoir été fini. Commencer dans quel niveau correction était-ce, combien de temps qui était pour résultat capable disponible et qui le processus là arrivé d'un bouclier. Nous te présentons un reportage dans le journal là pour être capable de permettre de jouer une réponse à la question. Dans une lettre, président de la République, Jovenel Moïse, voyé par le président du Sénat, sénateur Joseph Lambert, hier lundi 16 juillet 2018, là, chef de l'État a informé le Parlement haïtien officiellement sous démission Premier ministre Jacques Lafontaine, dans la date 14 juillet passé. Et puis, fait qu'on est chef de l'État, nation a accepté démission Premier ministre Jacques Lafontaine. À l'échelle internationale, le président américain Donald Trump a refusé de condamner Moscou pour ingérence dans la dernière élection américaine. Une position Donald Trump a adoptée hier lundi dans le cadre d'un tête-à-tête de président Pito, profiter, afficher volonté pour coopérer et puis écrire une nouvelle histoire entre Washington et Moscou. Équipe française a retourné dans le pays hier lundi 16 juillet après victoire pour Coupe du Monde 2018 là, qui était déroulée dans le pays la Russie. Diverses activités étaient organisées pour capable de recevoir vainqueur. Voilà, c'est un moment sans point savoir qu'un pilote qui était fait essentiel le journal là pour maintenir. On a souhaité tout le monde passer une très bonne journée de mardi. On a cassé rendez-vous dans la prochaine sortie de journal là. Mais surtout, on a invité à rester branché chez nous pour capable de suivre ces informations. Quant à nous-mêmes, on a cassé rendez-vous dans l'autre sortie journal là.